Premièrement, je dirais que j'écris par envie. Y'a rien d'autre qui me fait plus me sentir en vie. Quand je vois ce que font les autres, je me dis que je peux faire pareil. Ou mieux, que je peux squatter un bouton dans vos oreilles. Je donnerai le meilleur de moi-même pour me les approprier. Et quand j'y arriverai, on verra même les proprier. Pour que lorsque je les précède en festival, y'ait quand même des gens qui se disent c'était pas trop mal. Ceci nous amène tout droit vers l'orgueil. J'espère qu'on trouvera intéressante la lecture de mes feuilles. Je travaille dur pour avoir des textes plutôt cohérents. Ça me fait chier qu'on me dise que j'ai le cerveau d'un belligérant. Comme Balavoine, j'aimerais surtout être intelligent. J'aimerais que mes textes fassent réagir les gens et accéder un peu à l'immortalité. Tant que ça veut pas dire vivre vieux et alité. Pourquoi se mentir, je rappe aussi par avarice. Même si comme beaucoup j'aimerais sortir de leur matrice. C'est pas mon but premier, mais bon, si ça peut faire graille, je cracherai pas dessus et j'empocherai la maille. Comme dit le King, c'est one for the money. Et ça restera la même de Savigny jusqu'à Oni. Mais arrêtons là ce sujet, j'ai quand même une dette contre lui. C'est quand même à cause de cela qu'aucun espoir ne lui. Du coup vous l'avez compris, je rappe parce que je suis en colère. Si tu l'es aussi à la vue de ce monde, lève le poing en l'air. Une rage si forte que rien ne pourra faire taire, qui se répand dans tous les pays, dans tous les terres-terres. Je vois ce qui se passe ici ou ailleurs, c'est encore pire. Je me dis qu'on n'est pas prêt de sortir de leur empire. Ça me vénère de voir que nos bourreaux les vénèrent. Et le monde qu'ils nous offrent a pour moi un goût trop amer. Donc je rappe par luxure pour baiser les grands de ce monde. Leur système cession nous asphyxie et nous inonde. Si on ne peut pas changer le monde à coup de Mike ni d'onde, on improvisera alors dans ce décor immonde. Écrit se rapproche de la fornication. Beaucoup d'essais pour au final peu de gestation. Et quand j'ai plus que ça pour briser mon ennui, c'est d'âme poésie que j'étreins toute la nuit. J'écris par gourmandise car au final c'est trop bon. Et pour moi un couplet ne sera jamais trop long. Je me bouffe des boucles jusqu'à écœurement. Et je le ferai jusqu'au jour de mon enterrement. Je mange du texte pour nourrir mon inspiration. Mais ne mâche pas mes mots pour garder intacte la vibration. Je veux dévorer vos cerveaux, provoquer chez vous l'étonnement. Sans tomber dans le cliché du mec qui a force d'en faire des tonnements. Par paresse, flémardise, facilité, sonne à mon âme comme une douce caresse. Les dédales de l'écriture sont moins tortueux qu'ils n'y paraissent. Comparé à une discussion importante en fin de reste, c'est plus facile d'exprimer sur papier ce que l'on ressent. Un mot mal bafouillé peut changer tout sur l'instant présent. Et puisqu'il faut répéter 100 fois pour que les gens comprennent, j'écris un refrain à la fin pour que le morceau traîne. J'écris Rémi le couplet même si cela ne change rien. J'écris pour moi et mes retraits si cela peut nous faire du bien. J'écris Rémi le refrain si nos forces un peu décuplées, qu'on se libère de leur faim, que nos efforts puissent accoupler. J'écris Rémi le couplet même si cela ne change rien. J'écris pour moi et mes retraits si cela peut nous faire du bien. J'écris Rémi le refrain si nos forces un peu décuplées, qu'on se libère de leur faim, que nos efforts puissent accoupler.